Une grande fierté, une grande émotion. Une grande émotion parce que moi je pense à tous ces couples homosexuels, à toutes ces familles homoparentales. On leur a envoyé un signe fort, la République les reconnaît pleinement comme citoyens avec les mêmes droits, les mêmes devoirs. Je suis soulagé et comme nous l'avions annoncé, avant la fin de l'année, bien avant la fin de l'année, il y aura la possibilité dans notre pays, peut-être même dès cet été, de se marier à la mairie. Quand on s'aime et qu'on est de même sexe. C'est bien qu'avec Benoît Paru, qu'avec quelques autres, on ait montré qu'il y avait aussi des gens de droite qui étaient favorables à ce texte. Et in fine, avec le temps, je crois vraiment que notre société sera réconciliée avec ce texte et se dira que c'était bien qu'en ce jour de 2013, on ait pu voter davantage d'égalité des droits entre homosexuels et hétérosexuels. Pour nous, le résultat est positif puisqu'il y a la quasi-unanimité du groupe UMP qui vote contre. Et puis aussi, ça a permis, au cours du débat, de faire éclater le sujet de la GPA, celui de la PMA, de dénoncer combien on était dans un imbroglio juridique sur ce texte, et ce qui va d'ailleurs justifier notre recours au Conseil constitutionnel. Quand les Français sont divisés, quand les Français s'affrontent, quand les Français se déchirent, c'est au président de la République de faire les gestes nécessaires pour les rassembler. Si le président veut que la loi soit la loi de tous, sur un sujet aussi grave, aussi lourd de conséquences, notamment sur la filiation, le président de la République doit soumettre ce projet au vote des Français.